Gestion de spectre radiofréquence. L'idée, c'est qu'on va déposer des antennes en fait sur des sites critiques, ça peut être des sites industriels, des ports, des aéroports, et on va regarder toutes les ondes qui vont passer sur ces sites. Et on va être capable de détecter et de localiser les différents appareils en fait qui vont émettre les ondes. Du coup, pas mal de gouvernements qui sont assez intéressés, également pas mal d'applications militaires. QuizPeak, on est une start-up française née en 2020, on fait de la biométrie vocale, c'est-à-dire de l'authentification des utilisateurs par leur voix. Notre premier cas a été avec le ministère de l'Intérieur sur des phases de test et on est content de retrouver aujourd'hui des acteurs qu'on connaît à Minipol Paris et de rencontrer de faire de nouveaux échanges qui peuvent devenir ensuite des collaborateurs sur des sujets de sécurité de l'authentification. Au Virtual, nous sommes spécialisés en réalité virtuelle, réalité augmentée. Et à l'occasion de Minipol, nous présentons un poste de commandement tactique augmenté mobile. We are Seenans and we're offering a drug testing screening device, a handheld device connected with a Bluetooth printer. We made quite a few interesting contacts with the police and the fire brigade as well and the military. So we are quite satisfied with the outcome, yeah. Nous, on est la société UT Cyber Security. On propose des services de cybersécurité. On sécurise les systèmes d'information de nos clients et on les prépare et on anticipe toutes les menaces extérieures. C'est beaucoup de services de renseignement, beaucoup d'États étrangers, c'est beaucoup aussi d'États français aussi, ministère de l'Intérieur. Donc il y a eu quand même de très bonnes demandes. Ben, Unitech propose des produits qui permettent de rafraîchir le corps des utilisateurs. L'un des produits phares, c'est le produit PCM, Face Change Material. L'idée étant de passer d'un solide à un liquide, et lorsqu'on a une transition de phase, on a besoin d'énergie. On a un groupe de petites PME françaises et on accompagne l'armée, notamment dans la nutrition, à travers des rations d'urgence, des rations individuelles lyophilisées. Ça peut être avant, pendant, après l'effort. La joie de remporter le Minipol Innovation Award cette année pour l'Orient 2, voilà, qui nous a apporté une belle visibilité sur le salon et beaucoup de trafic. Donc c'était une très bonne nouvelle pour la société. Nous avons reçu le Innovation Award dans la catégorie drone et robotique pour le Loki 2, ce magnifique petit drone qui aujourd'hui fait le bonheur notamment du RAID et du GIGN qu'il utilise au quotidien dans ces opérations d'intervention souvent risquées et qui leur permet de prendre un peu moins de risques et d'être plus apte à répondre à des problématiques de terrain très spécifiques. Donc c'était une excellente surprise de recevoir cette Awards qui reconnaît en fait la stratégie d'innovation de Nuvia qui est très important pour nous, d'arriver avec des instruments de mesure qui sont innovants et utiles pour nos clients. Et le fait d'avoir le Awards, ça nous attire donc effectivement une population de personnes qu'on n'aurait pas rencontrées sinon, très intéressées par ce concept. Nous avons reçu ce prix pour justement notre technologie de protection par balles flexible produite en France et qui apporte une certaine innovation sur le marché de la protection par balles car on a beaucoup plus de confort à l'usage, une meilleure adaptation aux morphologies masculines, féminines et enfin une meilleure protection face aux munitions perforantes, munitions qui sont de plus en plus retrouvées sur les théâtres d'opération et même sur le territoire national. C'est notre première à Minipol et c'est une première qui est quand même pour l'instant bien réussie et on attend aussi le reste. On est ravis pour le moment, beaucoup de visiteurs. On a fait des super contacts au Minipol, c'est particulièrement le cœur de cible pour lesquels on est présent et puis surtout ça permet de voir tout le réseau en fait en une journée. Une bonne édition cette année pour Minipol.
ça fait du bien déjà de revenir sur les salons parce qu'on a eu une grosse période d'arrêt avec le Covid. C'était un salon qui était très dense, avec beaucoup de trafic et de qualité. Donc on est très contents. Millipol, c'est notre premier gros salon international et ça permet vraiment de se rendre compte de l'ampleur du marché, de l'ampleur des besoins aussi.